Dans la nature, les hyènes sont des carnivores voraces, mais elles chassent rarement seules. Au lieu de cela, elles suivent principalement d'autres prédateurs pour leur voler leur nourriture. En conséquence, les hyènes se heurtent fréquemment aux lions et aux léopards, qui parfois les tolèrent ou même les tuent. Ne détournez pas votre regard de l'écran, rejoignez-nous pour regarder 30 moments où des hyènes sont blessées par des lions, des léopards et des chiens errants. Les hyènes profitaient d'un repas laissé par un lion lorsqu'elles ont été soudainement attaquées par un lion mâle. Un lion a attrapé une hyène, entraînant de la faire tomber en mordant fermement son cou. Immédiatement, les congénères de la hyène se sont regroupés et ont cherché une occasion d'attaquer le lion pour sauver leurs camarades. Elles ont poussé des cris et se sont relayées pour mordre le corps du lion. Finalement, pour protéger sa vie, le lion a été forcé de lâcher sa proie et de contre-attaquer les hyènes. Le lion mâle s'approche doucement d'une petite hyène solitaire sans que la victime ne le sache, s'approche doucement et attaquant soudainement la proie. Très vite, le lion mâle a eu un bon repas pour lui-même. Les hyènes et les lions ont toujours été considérés comme des ennemis jurés. Le lion savourait un repas délicieux lorsque les hyènes hurlaient en le harcelant. Un lion en colère s'est précipité pour attaquer les hyènes. Les hyènes ont immédiatement encerclé et attaqué le lion. Face à la férocité des hyènes, le lion s'est précipité pour fuir, laissant sa proie aux hyènes affamées. Une meute agressive de hyènes planifiait une attaque en siège contre une lionne solitaire. Devant la férocité de l'ennemi, la lionne ne pouvait que rester sur la défensive en poussant des grognements menaçants. So Dane, un hyène du troupe OSS précipité pour attaquer la lion. Pousse d'autres hyènes ont également pris de tours pour attaquer. Heureusement, la lionne a grimpé à un arbre pour échapper aux prédateurs agressifs. Le lion mâle s'est approché doucement et a soudainement attaqué une hyène égarée. Face à la terrible puissance des lions, les hyènes ne peuvent que se débattre en poussant des cris tragiques. Lorsqu'il a finalement perdu tout intérêt, le lion a laissé partir la hyène. Bien qu'elle ait échappé à la mort, les hyènes étaient également gravement blessées. Une hyène solitaire essaie de fuir le lion. Cependant, les lions ne voulaient pas laisser partir leur ennemi. Ils ont continué à perdurer et attaquer la hyène. Le pelage tremblant de la hyène intriguait les lions. Le lion s'approche lentement de la hyène pour l'observateur sans avoir l'intention de l'attaquer. La hyène, avec un corps fatigué et une patte amputée, se déplace sur la route. So Dane, elle était attaquée par un lion embusqué sur le bord de la route. Détectant le danger, la hyène s'est précipitée pour fuir. Heureusement, le lion a renoncé et a épargné la hyène. Les lions mâles se couchent en embuscade et attendent que leur proie s'approche. Détectant le danger, les hyènes s'enfuient en panique. Cependant, avec son excellente capacité de chasse, le lion a rapidement attrapé la hyène. Une hyène est accidentellement entrée dans le territoire des chiens sauvages. Immédiatement, la meute de chiens sauvages s'est jointe pour attaquer l'intrus. Seule, la hyène a été complètement vaincue. La lionne a essayé de terminer la hyène en mordant son cou. Soudain, un lion mâle est venu avec l'intention de voler la proie, mais la lionne a rapidement laissé la proie s'enfuir. Trouvant une hyène étrangère, les hyènes ont risqué leur vie pour attaquer l'étranger. La hyène à la tête du troupeau a attaqué et mordu l'oreille de l'étranger. Point dans la savane africaine, les chiens sauvages et les hyènes sont tous deux les groupes de prédateurs les plus puissants. Avec la compétition alimentaire quotidienne, les deux animaux ne s'apprécient pas. Par conséquent, il suffit d'avoir l'opportunité de s'attaquer pour résoudre le conflit. Cette hyène affamée a risqué sa vie pour prendre la proie des chiens sauvages. Il semblait qu'il y aurait un délicieux repas pour remplir un estomac vide, mais la hyène avait oublié que les chiens sauvages ne sont pas des prédateurs faciles à intimider. La meute de chiens sauvages, s'appuyant sur leur grand nombre, a attaqué en même temps, laissant la hyène sans aucune chance de survie. Trop confiante en sa capacité de chasse, cette hyène est devenue un repas pour sa propre proie. Les léopards ont beaucoup d'efforts pour chasser, mais lorsqu'ils n'ont pas eu le temps de profiter du repas, les hyènes les ont volés. Cela a rendu les léopards très en colère et ils ont décidé de donner une leçon aux hyènes. Avec leurs compétences de chasse perfectionnées, les léopards n'ont pas besoin de trop d'efforts pour tuer les hyènes. Les léopards ont traîné les carcasses des hyènes dans les arbres et ont commencé à profiter du repas. Le monde animal n'est pas seulement dur et cruel, mais il contient aussi de nombreux aspects fascinants et humoristiques. The Horse est une chaîne YouTube dédiée à la découverte du monde des animaux sauvages. C'est un endroit où vous pouvez acquérir des connaissances précieuses sur l'habitat,
les caractéristiques et les méthodes de chasse de toutes les espèces animales. Si vous aimez les animaux et que vous aimez découvrir des espèces animales sauvages, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre dans l'exploration des aspects fascinants du monde animal. Au revoir, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.